أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين J'avais commencé une série de sermons sur les compagnons d'Adra, et j'ai prononcé le dernier sermon à ce sujet en Allemagne. Dans ce sermon, j'avais mentionné Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Saloul, et j'avais terminé par la mention du père d'Abdullah, Abdul Ubay bin Saloul. Je l'avais mentionné dans le contexte de la bataille d'Uhud. Quand le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait accepté l'avis des jeunes et qu'il avait décidé de sortir hors de Médine pour combattre l'ennemi, eh bien, Abdullah bin Ubay l'avait accompagné avec ses compagnons dans un premier temps. Mais lorsqu'ils sont arrivés au mont Uhud, eh bien, Abdullah bin Ubay bin Saloul a pris ses 300 compagnons et il a fait preuve de traîtrise et il est retourné vers Médine en disant que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'avait pas accepté son opinion. Et que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, aurait dû se battre à Médine contre l'ennemi, comme nous le souhaitions, disait-il. Il a aussi déclaré qu'il ne s'agit pas d'un combat, mais il s'agit d'un suicide. Et il a aussi ajouté que moi, je ne veux pas partir à ma mort. En fait, Abdullah bin Ubay bin Saloul était un hypocrite dès le premier jour. Et les hypocrites sont des peureux. Et sa couardise s'est manifestée en cette occasion. Après ses parts, et le départ de ses compagnons, il ne restait que 700 musulmans sur le champ de bataille. En dépit de cela, la bataille était en faveur des musulmans au début. Les musulmans avaient presque remporté la bataille. À la fin, en raison du fait qu'ils avaient désobéi au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et en raison du fait que certains musulmans avaient abandonné une passe, eh bien, les musulmans ont dû endurer une lourde perte. Après cet incident, Abdullah bin Ubay bin Saloul a énoncé des paroles blessantes à l'endroit du saint prophète Mohammed paix soit lui et à l'endroit des musulmans, et il s'est moqué d'eux. C'est ici-bas quelques faits à ce propos. Grâce à ces récits, on va découvrir aussi l'amour d'Abdullah, le fils d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, son amour à l'égard de l'islam et à l'égard du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Abdullah était prêt à prendre toutes les mesures possibles contre son père, quand celui-ci portait atteinte à l'honneur de l'islam et à l'honneur du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin. Il évoque comment les hypocrites ont commencé à se moquer du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la bataille d'Uhud, dit-il, les juifs de Médine et les hypocrites qui faisaient profil bas après la bataille de Badr s'étaient enhardis. Abdullah bin Ubay et ses compagnons ont commencé à se moquer ouvertement et à railler les musulmans. Cependant, le saint prophète Mohammed lui a toujours fait montre d'indulgence à leur égard. Au lieu de ressentir du remords en raison de cette indulgence, les hypocrites se sont enhardis dans leur insolence et dans leur vilénie. L'incident suivant démontre la vilénie d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, et cet incident démontre aussi l'amour et la fidélité de son fils, qui se nommait Abdullah, son amour et sa fidélité à l'égard du saint prophète Mohammed bin Saloul. En l'an 5 de l'Hégire, après la bataille contre les Banu Mustalik, le prophète Mohammed lui a campé quelques jours à Mouraïsi, qui était la source des Banu Mustalik. Au cours de ce séjour, il y a eu un incident fomenté par les hypocrites. Un incident qui aurait pu pousser les faibles musulmans à s'entretuer. Or, la sagesse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son charisme ont protégé les musulmans contre les conséquences dangereuses de ce complot. Un citeur d'Umar nommé Jahja s'est rendu à la source principale de Mouraïsi pour aller chercher de l'eau. Par coïncidence, une autre personne nommée Sinan, qui faisait partie des confédérés des Arabes, est également arrivée à la source. Ces deux personnes étaient des paysans ignorants. Une altercation s'en est suivie entre les deux à la source, et Jahja a frappé Sinan. Sinan a commencé à crier. Il a commencé à appeler à l'aide. Il disait « Ô Ansar, venez à mon secours, j'ai été frappé. » Quand Jahja a vu que Sinan appelait son peuple à l'aide, eh bien il a commencé également à appeler son peuple à l'aide. Il disait « Oh, Muhajirin, venez vite !» Et lorsque les Ansar et les Muhajirin ont entendu le tumulte, nombre d'entre eux se sont précipités vers la source, l'épée à la main. Et en un instant, il y avait une horde nombreuse qui s'était rassemblée là-bas. Certains jeunes ignorants étaient sur le point de se battre, mais quelques sages et fidèles parmi les Muhajirin et parmi les Ansar sont arrivés sur les lieux à temps. Et ils ont séparé les gens immédiatement et ils l'ont réconcilié. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a eu vent de cet incident, il a déclaré que c'était là une conduite condamnable et il a exprimé son mécontentement et l'affaire a été réglée. Cependant, lorsque Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, qui était présent dans l'expédition, a eu la nouvelle de cet événement, eh bien, en homme vil qu'il était, il a tenté de ranimer de nouveau ce conflit. Et il a incité ses partisans à s'attaquer contre le saint prophète Mohammed B. Sosalui et contre les musulmans en disant « C'est de votre faute, c'est vous qui avez accordé refuge à ces étrangers ». Et vous leur avez permis de régner sur vous. Vous avez toujours la possibilité de renoncer à votre soutien en leur faveur, et ils partiront de leur propre chef.
Finalement, cet infâme personnage a déclaré لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز منها الأذل. لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز منها الأذل. C'est une parole qui a été consignée dans la lettre aux Munafiqun du Saint Coran. Il est dit que si nous retournons à Médine, eh bien le plus honorable en chassera assurément le plus méprisable. Zayd bin Arqam était un jeune musulman sincère. Il était présent là-bas lorsqu'Abdullah bin Ubay bin Salul a prononcé ces mots. En entendant les mots concernant le saint prophète de la bouche d'Abdullah bin Ubay bin Salul, il était fort troublé et il en a informé le saint prophète, qu'il soit lui par l'intermédiaire de son oncle paternel. Voyez à quel point les enfants étaient sincères et fidèles. Ils étaient aussi très vigilants et ils savaient distinguer le bon du mauvais. En tout cas, il a informé son oncle. Omar était assis en compagnie du saint prophète Mohammed bin Salwi et en entendant ces mots, il s'est enflammé et il brûlait d'indignation. Il a dit au saint prophète Mohammed bin Salwi, « Ô messager d'Allah, donnez-moi la permission de décapiter cet hypocrite et ce rebelle. » Le saint prophète lui a répondu, « Omar, laisse ça de côté. Veux-tu que les gens colportent que Mohammed a tué ses propres partisans ?» Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a convoqué Abdul Ubay et ses partisans et il leur a demandé ce qu'il en était. Ils ont juré tous qu'ils n'avaient pas tenu de tels propos. Quelques-uns parmi les Ansar se sont intervenus en disant que peut-être que Zayd bin Arqam s'est trompé sur des paroles prononcées par Abdullah bin Ubay. Le saint prophète, peace be upon him, a accepté la déclaration d'Abdullah bin Ubay et de ses disciples, il a rejeté l'apport de Zayd, Zayd qui fut profondément affligé. Et par la suite, la révélation du Saint-Coran a confirmé le rapport de Zayd. Et les hypocrites furent déclarés menteurs. Cela a été mentionné dans le verset que j'ai cité. Le saint prophète Mohammed a ordonné à Omar d'ordonner un départ immédiat. Il était midi et en général, le saint prophète Mohammed ne voyageait pas à cette heure-là. À cause de la chaleur torride de l'Arabie. En effet, il était très difficile de voyager à pareil moment de la journée. Cependant, vu les circonstances, le saint prophète, peace be upon him, a jugé préférable de partir immédiatement. Ainsi, selon ses ordres, l'armée musulmane a levé le camp. C'est peut-être à cette occasion même qu'Usayd bin Hudayr Ansari, qui était un chef très renommé de la tribu Aws, s'est présenté au saint prophète Mohammed peace be upon him, lui, et il a déclaré « Ô messager d'Allah, vous ne voyagez généralement pas à cette heure de la journée, que se passe-t-il aujourd'hui ?» Le saint prophète, peace be upon him, a répondu, « Usayd, n'as-tu pas entendu les propos tenus par Abdullah bin Ubay ?» Il a dit qu'une fois arrivé à Médine, l'individu le plus honoré chassera le plus méprisable. Usayd a ajouté, « Ô envoyé d'Allah, si vous le souhaitez, vous pouvez chasser Abdullah. Par Dieu, c'est vous qui êtes le plus honorable. » Et c'est lui qui est le plus méprisable. Ensuite, Usayd bin Huzair a ajouté, « Ô messager d'Allah, vous savez qu'avant votre arrivée, Abdullah bin Ubay
était très vénéré par son peuple. Et il était sur le point de l'accepter comme son roi. Mais les plans d'Abdullah bin Ubay sont tombés à l'eau avec votre arrivée. C'est pour cette raison qu'il est jaloux de votre personne. Ne vous inquiétez pas de ses absurdités et pardonnez-lui. Après un certain temps, le fils d'Abdullah bin Ubay, qui s'appelait Hubab dans le passé, le saint prophète Mohammed bin Sosa, lui, avait changé son nom en Abdullah. Abdullah, le fils d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, était un musulman, un compagnon fidèle. Il s'est présenté devant l'envoyé d'Allah tout inquiet et il a déclaré « Ô messager d'Allah, j'ai entendu dire que vous vouliez faire exécuter mon père à cause de son blasphème et à cause de sa rébellion. Si tel est votre verdict, alors permettez-moi de l'exécuter. Je décapiterai mon père et je placerai sa tête devant vous. Je vous conjure de ne donner à personne cet ordre, car je crains que l'ignorance ne me monte à la tête à un moment donné et que je puisse faire du mal au bourreau de mon père et tomber en enfer malgré le désir ardent de plaire à Allah. » C'est-à-dire qu'il souhaite plaire à Dieu, mais il a peur d'entrer en enfer tuant un musulman. Le saint prophète Mohammed, peace be upon him, lui, a calmé Abdullah et il lui a expliqué « Je n'ai aucune intention de la sorte, mais en tout cas je ferai preuve de compassion et de bienveillance à l'égard de ton père. » Cependant, Abdullah bin Abdullah était si furieux contre son père que lorsque l'armée musulmane s'est repliée vers Médine, eh bien, il s'est placé devant lui et il a bloqué son passage en disant « Par Dieu, je ne te permettrai de revenir à Médine jusqu'à ce que tu avoues de ta propre bouche que le saint prophète Mohammed, que ce soit lui, est le plus honoré et que tu es le plus méprisable. » Abdullah a insisté tellement que son père est finalement obligé de prononcer ces mots. Et c'est là qu'Abdullah l'a laissé partir. Ibn Sa'd rapporte cet incident en ces termes. Il déclare que quand le saint prophète Mohammed bin Sassal, lui, a demandé à ses compagnons de lever le camp, Abdullah, le fils d'Abdullah bin Ubay, a entravé le chemin de son père. Abdullah est descendu de son chameau et il a dit à son père « Tant que tu n'avoueras pas que tu es le plus méprisable et que le saint prophète paix soit sur lui est le plus honoré, eh bien, je ne te laisserai pas partir. » Quand le saint prophète paix soit sur lui les a croisés, il a dit à Abdullah « Laisse-le tranquille. Je jure que nous serons toujours bienveillants à son égard tant qu'il sera en vie parmi nous. » Ce récit est consigné dans Tabaqat al-Kubra. On rapporte aussi qu'Abdullah bin Ubay avait déclaré que le plus honoré de la ville chassera le plus méprisé de la ville. Sur ce, son fils Abdullah avait dit à saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Ô envoyé d'Allah, c'est bien lui le plus méprisé. » Et vous êtes le plus honoré. » Ainsi, le fils en personne a prononcé ces paroles à propos de son père. Les hypocrites avaient inventé une odieuse calomnie. Il s'agit de l'incident de la calomnie, et c'était Abdullah bin Ubay bin Saloul qui en était l'auteur. Après la razwa contre les Banu Mustalik, on a porté d'odieuses accusations contre la personne d'Aïcha. Abdullah Ubay bin Saloul était l'auteur de ces calomnies. À la fin de l'année dernière, je m'étais appesanti sur cet incident de la calomnie dans un de mes sermons. J'en ferai mention ici de nouveau.
en citant partiellement le récit d'Aïcha. Aïcha déclare, « Chaque fois que le messager d'Allah avait l'intention de partir en voyage, il tirait au sort parmi ses femmes. Et il prenait avec lui celle sur laquelle le sort était tombé. Il a tiré au sort parmi nous avant de partir en voyage, et le sort est sur moi, et je l'ai accompagné. » À l'époque, le commandement sur le voile avait été révélé. J'ai été transporté à dos de chameau dans mon haouda, dans le palanquin, et on me descendait de la monture. Le haouda était un palanquin fermé et recouvert, et on le plaçait sur le chameau. Elle ajoute, nous avons poursuivi notre voyage, et le saint prophète, paix sur lui, a terminé sa campagne, et il est retourné. Lorsque nous nous sommes approchés de la ville de Médine, il a annoncé la nuit qu'il était l'heure de partir. Quand on a annoncé la nouvelle du départ, je me suis levé et je suis parti avant l'armée. Après avoir terminé un appel de la nature, je suis retourné vers ma monture. Lorsque j'ai placé ma main sur ma gorge, j'ai constaté qu'il me manquait mon collier de perles noires. Je suis retourné le chercher. Et ma quête m'a retenu. Entre-temps, les gens qui me portaient sur mon chameau sont venus, et ils ont pris mon haouda et ils l'ont placé sur le chameau, car ils croyaient que j'étais dedans. Ils ont fait avancer le chameau et ils sont tous partis avec lui. J'ai retrouvé mon collier après le départ de l'armée. Ensuite, je suis retourné à leur emplacement, mais là-bas, je n'ai trouvé personne. J'ai décidé de rebrousser chemin à l'endroit où j'étais campé, pensant qu'ils ne me trouveront pas et qu'ils reviendront me chercher. Tout assise, je me suis assoupi et je me suis endormi. Safwan bin Mu'tal al-Sulami al-Zakwani était derrière l'armée. Il passait derrière pour voir si on n'avait rien oublié. Lorsqu'il est arrivé dans mon camp dans la matinée, il a vu la silhouette d'une personne endormie et il m'a reconnu. Il m'a reconnu étant donné qu'il m'avait vu avant la révélation du commandement sur le port du voile. Lorsqu'il a constaté que c'était moi, il a récité « Inna lillahi ». Et je me suis réveillé lorsqu'il a récité « Inna lillahi ». Il est descendu de son chameau et je suis monté sur l'animal. Il a pris les rênes et nous sommes partis. Et nous avons rejoint l'armée quand elle était à l'arrêt pour une pause. Suite à cet événement, certains ont été voués à la destruction. C'est-à-dire, certains ont commencé à calomnier Aïcha. Abdullah bin Ubay bin Saloul était l'auteur de cette calomnie. Après notre retour à Médine, je suis tombé malade pendant un mois. Les gens répandaient la calomnie. Durant cette maladie, j'ignorais tout de la calomnie. Mais j'avais un doute, car au cours de cette maladie, le saint prophète, paix soit sur lui, ne faisait pas montre de la même gentillesse qu'il me montrait lorsque je souffrais généralement. Le saint prophète, paix soit sur lui, entrait, saluait et demandait « Comment va-t-elle ? » J'ignorais tout de cette calomnie. Je suis parti une fois en compagnie d'Oumé Mista pour aller me soulager. Et elle a rapporté les calomnies. Lorsque je suis rentré à la maison, le saint prophète, paix soit sur lui, est venu chez moi, et après m'avoir salué, il a dit « Comment vas-tu ? » J'ai répondu « Donnez-moi la permission de partir chez mes parents. » Le prophète d'Allah m'a permis de partir. J'ai demandé à ma mère « De quoi parle-t-on alors ?» Elle a répondu, « Oh ma fille, ne t'inquiète pas. »
les gens colportent toujours de tels propos. J'ai répondu, Saint et Allah, est-ce que les gens parlent vraiment de cette façon? Et j'ai continué à pleurer cette nuit jusqu'à l'aube, et je ne pouvais ni arrêter de pleurer ni dormir. En tout cas, on a cessé de colporter cette calomnie. Le saint prophète Mohammed lui a demandé conseil à certains de ses compagnons. Un jour, le saint prophète lui a fait venir Barira, qui était la servante d'Aïcha, et le saint prophète lui a demandé: As-tu déjà vu quelque chose de suspect chez Aïcha? Barira a répondu, par là, rien de la sorte. Ensuite, elle a ajouté, je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Son seul défaut est qu'elle est une jeune fille insouciante et elle s'endort souvent. Elle s'endort souvent en laissant la pâte exposée aux chèvres domestiques qui viennent la manger. Elle est négligente et rien de plus, et elle dort beaucoup, c'est tout. Ce jour-là, le saint prophète Mohammed lui, du haut de sa chair, s'est plaint d'Abdullah bin Ubay bin Saloul devant ses compagnons, en disant « Ô musulman, qui me soulagera de cet homme qui est blessé en s'attaquant à ma femme? Par Allah, je n'ai vu que le bien en elle. » Et ils ont blâmé un homme dont je ne connais rien d'autre que le bien. Il ne rentrait jamais chez moi, sauf en ma compagnie. Il ne rentrait jamais dans la maison du saint prophète, mais soit lui tout seul. Aïcha ajoute qu'un jour, le saint prophète, mais soit lui, l'a interrogé directement à ce propos. Aïcha a répondu, « Par Allah, je sais que vous avez entendu des propos diffamatoires. » Les gens portent des accusations contre moi. Si je vous dis que je suis innocente, vous ne me croirez pas, et Allah sait que je suis innocente. Et si j'avoue être coupable, vous me croirez sûrement, tandis qu'Allah sait que je suis innocente. C'est-à-dire, il y a eu tant de rumeurs à ce sujet, on ne me croirait pas. Certains compagnons aussi colportaient cette calomnie. Elle ajoute, par Allah, mon cas ressemble à celui du père de Joseph, qui a dit au frère de Joseph, « Fasabun jamil, walou musta'anu ala ma tasifoun. » Aussi, je ferai preuve d'une patience bienséante, et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée contre ce que vous affirmez. C'est un verset de la sourate Yusuf. Ensuite, elle déclare, je me suis éloigné et je suis retourné vers mon lit tout en espérant qu'Allah dévoilera mon innocence au saint prophète Mohammed peace be upon him. Aïcha ajoute, par Allah, avant que le messager d'Allah n'ait quitté son siège, et avant que les membres de la famille ne soient partis, le saint prophète, paix soit sur lui, a reçu une révélation. Il y avait encore là-bas Abu Bakr et la mère d'Aïcha. Tout le monde était à la maison lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a reçu une révélation. Il passait en ces moments-là dans un état très pénible et la sueur coulait de son corps. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, est sorti de cet état, il s'est levé en souriant et sa première phrase était « Ô Aïcha, Rossi Allah, Allah t'a innocenté. » Puis ma mère m'a dit « Lève-toi
et remercie le messager d'Allah. J'ai répondu, par Allah, je n'irai pas vers lui, et je ne remercierai personne d'autre excepté Allah. Allah avait en effet révélé ces versets. Inna allazina ja'u bil ifki usbatun minkum. Inna allazina ja'u bil ifki usbatun minkum. En vérité, ceux qui inventèrent le mensonge sont un groupe de parmi vous. Ainsi, Aïcha a été innocentée et le saint prophète Mohammed P.S. lui a annoncé qu'Allah avait révélé un verset à ce propos. Voir Aïcha disait qu'elle croyait qu'Allah allait montrer la vérité au saint prophète dans un rêve. Elle ne pensait pas qu'un verset du Saint-Coran serait révélé à son sujet. La fête arrêtait là et les hypocrites n'ont cessé leur campagne d'accusation et leur faubrie. En dépit de cela, comment s'était comporté le saint prophète Mohammed, et soit celui la miséricorde pour l'humanité tout entière, à l'endroit du chef des hypocrites? Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul est décédé, son fils Abdullah a demandé au saint prophète Mohammed, et soit celui de diriger sa prière funéraire. Et il lui a aussi demandé d'offrir sa chemise afin de l'utiliser comme linceul. Il souhaitait ainsi qu'il pourrait faire pardonner son père en le faisant porter la chemise du saint prophète Mohammed soit celui. Et le saint prophète paix soit celui lui a remis cette chemise. Selon un autre récit, quand Abdullah bin Ubay bin Saloul est décédé, eh bien, Abdullah, son fils, est rendu chez le saint prophète et lui a demandé de bien vouloir lui remettre la chemise afin de l'utiliser comme linceul pour son père. Et il lui a aussi demandé de diriger sa prière funéraire et d'implorer la clémence divine en sa faveur. Le saint prophète, puis soit lui, lui a offert sa chemise et il lui a dit « Appelez-moi quand vous aurez terminé les préparatifs pour les funérailles ». Quand le saint prophète Mohammed P.S. lui était sur le point de diriger la prière funéraire, Omar lui a dit « Allah vous a interdit de diriger les prières funéraires des hypocrites ». Le saint prophète P.S. lui a répondu « Le choix m'a été offert de demander pardon ou pas en leur faveur ». Ainsi, le saint prophète P.S. lui a dirigé sa prière funéraire. Plus tard, quand Allah lui a interdit formellement de diriger la prière funéraire de pareil individu, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, a cessé de faire leur prière funéraire. Selon un autre récit, Abdullah bin Ubay avait déjà été placé dans la tombe quand le saint prophète est venu. Il a demandé qu'on l'en fasse sortir et il a placé sa tête, ses jambes. Et il a mis un peu de salive sur sa bouche et il a prié pour lui et il a enlevé sa chemise pour lui offrir. Jabir bin Abdullah relate que suite à la bataille de Badr, Abbas faisait partie des prisonniers faits par les musulmans. Abbas n'avait pas de vêtements. Le saint prophète, paix soit sur lui, a tenté de trouver une tunique pour lui, et on a trouvé que celle d'Abdullah bin Ubay lui allait. Et le saint prophète lui a offert la tunique d'Abdullah. Et c'est pour cette raison que le saint prophète aurait offert sa chemise à Abdullah bin Ubay après son décès. Ibn Uwayna relate que le saint prophète, paix soit sur lui, souhaitait faire montre de bienveillance à l'égard d'Abdullah en raison de son geste en faveur d'Abbas. Mais ce récit n'est pas authentique même s'il a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Le saint prophète, paix soit sur lui, était une miséricorde pour l'humanité tout entière. Selon certains, Abdullah bin Ubay bin Saloul n'était pas encore musulman à l'époque de la bataille de Badr. Même s'il avait donné sa chemise à Abbas, le saint prophète, paix soit sur lui, lui avait par la suite accordé d'innombrables faveurs. Ainsi, ce n'était pas la seule raison de ce geste du saint prophète, paix soit sur lui. Selon moi, il avait fait pour Abdullah, son fils, qui avait montré son sens de l'honneur en faveur de l'islam en toute situation. Abdullah qui avait préservé sa foi et qui avait été sévère envers son père. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, avait enlevé sa chemise et l'a offert afin de consoler son fils, ou en raison de son souhait.
Omar bin Khattab relate ceci. Ceci est son propre récit. Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul est décédé, on a demandé au saint prophète, paix soit sur lui, de diriger sa prière funéraire. Omar relate, quand le saint prophète s'est mis debout pour la prière funéraire, j'ai sauté dans sa direction et je lui ai demandé, ô envoyé d'Allah, allez-vous diriger la prière funéraire d'Abdullah bin Ubay, alors qu'il avait dit ceci ou cela tel ou tel jour, et j'ai commencé à énumérer ses propos. Le saint prophète a souri et il a déclaré, ô Omar, écarte-toi. Et quand j'ai beaucoup insisté, le saint prophète a ajouté, le choix m'a été donné. Si je sais qu'il sera pardonné si je prie pour lui plus 70 fois, eh bien en ce cas, je prierai pour lui certainement. Omar déclare, c'est ainsi que le saint prophète a dirigé sa prière funéraire et il est retourné de là-bas. Et peu de temps après, ce verset de la sourate Torba a été révélé. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. N'offre jamais la prière sur aucun d'entre eux lorsqu'il meurt et ne te tiens pas non plus auprès de sa tombe pour prier, car ils n'ont pas cru en Allah et en son messager et ils sont morts alors qu'ils étaient désobéissants. Omar relate par la suite, je me suis étonné de mon audace, l'audace que j'avais montré ce jour-là en prenant la parole devant le saint prophète Mohammed Bissas à lui. Allah et son messager savent le mieux. Ici se termine le récit concernant Abdullah. Je mentionnerai les autres compagnons plus tard. J'irai à présent quelques personnes décédées récemment et je dirigerai leur prière funéraire après la prière de Jumma. La première personne se nomme Mokarama Amtul Hafiz Sahiba, était l'épouse de Mokaram Molana Mohamed Omar Sahib de Kerala en Inde. Elle est décédée le 20 octobre dernier à l'âge de 72 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Elle était née en 1947 à Kerala. Son arrière-grand-père maternel était le premier Ahmadi de la famille. Il était d'ailleurs un des premiers Ahmadis de Kerala. La défunte a servi en tant que secrétaire des finances de la Lajna de Chennai et comme Sadar Lajna de Kerala pour une longue période. Elle était régulière dans la récitation du Saint-Coran, de la prière de Tahajjud. Elle enseigne le Saint-Coran au Lajna et au Nasirat. Et elle accomplissait tous les jeûnes obligatoires et facultatifs. Jusqu'à ses derniers jours, elle a servi son mari, Maulana Mohamed Omar Saab. La femme était douée d'un très grand sens de l'hospitalité et d'humanité. C'était une dame très pieuse. Elle était très proche du califat. Là où elle résidait, elle a servi avec beaucoup de sincérité ceux qui visitaient la Mission House. Avant l'âme, elle avait subi 3 infarctus. Et elle avait dit à son époux que le moment de ma mort est proche. Transmettez mes salutations à tout le monde. Elle a dit cette phrase après son 3e infarctus. Ensuite, elle a récité Allahu Akbar à 3 reprises à haute voix avant de rendre l'âme. La défunte était Moussi et elle laisse derrière elle 4 filles. Elle est la belle-mère de Munawar Ahmad Nasir qui travaille comme volontaire dans la section tamoul du bureau du secrétaire privé. Mukarram Molana Mohamed Omar Saab relate ceci. Après avoir eu mon diplôme de Molvi Fazil, j'ai été affecté à la Madrasatul Ahmadiyya comme enseignant en 1961. Ensuite, j'ai été affecté à Hyderabad. Et à Hyderabad, là-bas, il y a eu un accident après la pluie diluvienne.
En 1967, l'édifice de la Jubilee Hall comprenait une salle de prière au premier étage et des bureaux. Le deuxième étage était réservé à la Lajna Imaïla et au troisième étage se trouvait la résidence du missionnaire. La majeure partie de l'édifice s'était effondrée en raison de la pluie. Il déclare « Je n'étais pas là-bas et quand je suis venu dans l'après-midi, j'étais choqué de voir le bâtiment en ruine. Sur un coin du troisième étage se trouvait mon épouse avec notre fille de 3 mois. » Les sortir de la vivante était apparemment impossible. En dessous d'elle, très bas, se trouvaient les ruines du bâtiment. Elle ne pouvait ni sauter ni descendre. Les pompiers ont apporté une échelle, mais personne n'avait le courage de monter et de sauver la mère et l'enfant. Il y avait un vieux pompier qui a dit qu'il tentera de les sauver au péril de sa vie. Il est monté sur l'échelle et il a sauvé dans un premier temps la fille, ensuite il a sauvé la mère. C'est ainsi que toutes les deux ont été sauvées miraculeusement. Le mari de la défunte ajoute « Mon épouse a toujours fait montre de patience là où j'ai été affecté. Quand j'étais à Kerala, elle a servi en tant que sadar lajna de la province de Kerala pendant 15 ans et elle a accompli un travail remarquable. » Nous avons demeuré à Kadian de 2007 à 2014, tant que j'ai servi en tant que Nazir Islaouichad. Et durant cette période, elle partait tous les jours faire de longues prières à la Baïte Oudoua. La défunte a pu accomplir l'Umra en 2015. Son époux écrit que tous les jours, après la prière de Fajr, elle citait le Saint-Coran et elle étudiait aussi les hadiths. Le jour de son décès, elle avait suivi la même routine par la grâce d'Allah. Elle aimait lire les livres du Messie premier l'Islam et elle est aussi intéressée par la culture générale. Et ce sont là les qualités que doivent posséder la femme d'un missionnaire. Et la défunte, par la grâce d'Allah, possédait ces qualités. La défunte avait un très grand respect pour les missionnaires et les responsables de la Jamaat. Son sens de l'hospitalité était hors pair. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il exalte son statut, il permette à ses enfants de mériter ses prières. La deuxième prière funéraire sera celle de Mokaram Chaudhry Mohamed Ibrahim Seb, ancien directeur et éditeur du mensuel Ansarullah du Pakistan, décédé le 16 octobre à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait été nommé secrétaire de l'Ansarullah central en 1957 et en 1960, il a été nommé directeur et éditeur du mensuel Ansarullah après son lancement. Il a assumé ce rôle brillamment jusqu'en 2004. Et il a occupé les postes de responsable du bureau et adjoint au Qaïd Amoumi au sein de l'Ansarullah du Pakistan. En 2003, il était recherché pour un procès et je lui avais donné la permission de venir s'établir ici à Londres. Il a servi au sein de l'Ansarullah pour environ 8 ou 9 ans ici au Royaume-Uni. Et il était membre du bureau central de l'Ansarullah. Le défunt était moussi. En raison de sa maladie, il s'était rendu à Rabwa quelque temps de cela, et il a rendu là-bas à Rabwa. Il laisse derrière lui une fille et 5 fils, et de nombreux petits-enfants. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il permette à ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres, et qu'il soit toujours attaché à la Jamaat et Khalifa.
lorsqu'il était responsable du journal Ansarullah au Pakistan, du fait qu'on peut être poursuivi en justice pour un rien là-bas au Pakistan. On lui a intenté 26 procès et il a également été emprisonné pour la cause d'Allah pendant un mois. La troisième prière funéraire sera celle de Raja Masoud Ahmad, qui était le fils de Raja Mohammad Nawaz du village d'Adan Khan. Le défunt est décédé le 19 octobre dernier à l'âge de 69 ans des suites d'une très longue maladie. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. L'Ahmadiyya est entré au sein de sa famille par l'intermédiaire de son père. Son père qui était en contact avec Raja Mohammad Ali, qui était responsable de la Baitul Mal dans les années 43 et 44. Raja Mohammad Ali avait fait venir le père du défunt à Qadian pour la Jalsa, et c'est là-bas qu'il a prêté le serment d'allégeance. Il n'avait besoin d'aucune preuve pour sa version. Il a raconté le récit suivant de sa conversion. Il dit que le Moussa Maoud était en train de prononcer un discours lors de la Jalsa. Lorsque j'ai vu un bel jeune homme qui portait un enfant qui était très sale, et quand le nez de l'enfant coulait, ce jeune homme sortait un mouchoir de sa poche et il essuyait le nez de l'enfant. Et il est resté derrière Hadrat Moussa Maoud. Hadrat Moussa Maoud était occupé à prononcer son discours et peu de temps après, lorsque l'enfant s'est mis à pleurer, Hadrat Moussa Maoud s'est retourné. Et il a annoncé qu'un enfant s'était égaré et il a demandé aux parents de venir récupérer l'enfant. Lorsque par la suite j'ai demandé qui était ce jeune homme aux habits propres et qui portait cet enfant qui était sale, eh bien on m'a répondu qu'il s'agissait de Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib, le fils aîné du deuxième calife. Et à cette époque, il était probablement le président de la Khuddamul Ahmadiyya. Cela a eu un tel effet sur moi que j'ai mis les controverses de côté. En raison de cet exemple, j'ai prêté le serment d'allégeance. Ainsi donc, depuis toujours, les gens qui viennent participer à la Jalsa prêtent allégeance en voyant de tels exemples. Et c'est ainsi qu'ils font partie de l'Ahmadiyya. Raja Sahib s'est établi au Royaume-Uni en 1991 et il a été nommé le premier président de la Jamaat de Catford. Il avait également proposé sa maison comme centre de la Jamaat. Ici, il a pu servir en tant que Qaïd Amoumi Ansarullah, secrétaire assistant Wasaya, et en tant que secrétaire national de la Wasiya. Et lorsque j'ai demandé qu'on améliore le système d'Al-Wasiya par la grâce d'Allah, il a fait beaucoup d'efforts en ce sens, et il a amélioré le système de la Wasiya. Le défunt avait une relation très forte avec le califat. Il avait un grand respect pour les responsables de Jamaat. Il était régulier dans ses prières, dans sa prière de Tahajjud. Il cotisait abondamment dans les fonds de la Jamaat et il faisait aussi la sadqa. Il s'occupait des pauvres et il était très sociable. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du système de la Wasiya. Il laisse derrière lui sa femme, une fille et deux fils. Qu'Allah fasse preuve de pardon à son égard et qu'il lui accorde sa miséricorde et qu'il exalte son rang. Je l'avais côtoyé au collège, nous n'étions pas toujours dans la même classe. Nous avions des matières différentes, mais il était dans le même lycée que le mien et c'est là-bas que je l'avais connu. Et je peux dire que nous avions étudié dans le même collège et dans la même classe. Nous étions dans la même classe d'Urdu et nous étions ensemble dans cette classe. Il possédait déjà à l'époque de nombreuses qualités. Il ne s'occupait que de ses affaires. Il ne faisait pas de mauvais tours à personne, comme le font parfois les jeunes. Et il n'embêtait personne. Qu'Allah exalte son rang. Allah Bakhsh Sadiq, le Wakil Tarlim de Rabwa, écrit ceci. Le défunt était un Ahmadi très courageux et doué d'un très grand sens de l'honneur pour la foi. La mosquée de Jhelum était très ancienne et son foie s'était affaissé. Le parquet de ses pièces n'était pas nivelé. Et après 1984, la situation était devenue critique pour la Jamaat.
Après que la loi fut promulguée contre les Mahdis, la Jamaat n'a pas pu construire de nouvelles mosquées et ne pouvait pas rénover les anciennes mosquées. Mais Raja Sahib avait conduit sous sa responsabilité les travaux de rénovation de la mosquée et il a fait ses travaux de manière très intelligente. Il a complété la tâche sous les conseils avisés de l'amir. Sans même toucher au mur qui donnait sur la rue, il a fait construire avec sagesse des piliers, puis il a fait placer le toit. Il a fait beaucoup de sacrifices, à la fois des sacrifices financiers, et a aussi sacrifié son temps. Et il a aussi encouragé les autres aussi à faire des sacrifices. Il a transformé entièrement cette mosquée, il a placé des poutres et il a enlevé les cloisons des murs. Et maintenant, par la grâce d'Allah, il y a une salle en haut et une salle en bas. La quatrième prière funéraire sera celle de Saliha Anwar Abu Sahiba. Elle était l'épouse du défunt Anwar Ali Abu du Sind. Elle est décédée le 1er octobre dernier. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. La défunte était très courageuse et une fervente adoratrice de Dieu. Elle était une femme qui s'acquittait à la fois de ses devoirs envers Dieu et envers l'humanité. Dès son enfance, elle faisait des prières, jeûnait et payait ses cotisations. Elle avait une relation de grande sincérité à l'égard du calife. Son père avait pris sa retraite de l'Iran et est venu s'installer à Nawabshah. Et elle payait ses cotisations avec le peu d'argent de poche qu'elle recevait. Un jour, une responsable centrale des Lajnas s'est rendue là-bas et en pleine session, elle a informé toutes les Lajnas que dans tout le Nawabshah, personne ne cotise plus que cette jeune fille. Et il s'agit d'un incident qui date d'avant son mariage. Sa fille Tahira Momin écrit « Après son mariage, Allah a répandu d'innombrables grâces sur elle et lui a aussi accordé un grand cœur. Elle s'occupait des pauvres, elle était très humble. Elle cotisait dans tous les fonds de la Jamaat. Elle était celle qui cotisait le plus. » Elle a servi en tant que présidente de la région de l'Arkana pendant une longue période. Lors des visites, elle a rappelé l'importance des sacrifices financiers et, donné qu'elle était exemplaire, elle avait beaucoup d'effets sur les autres à cet égard. Elle était très courageuse et elle avait un très grand sens de l'honneur pour la foi. À l'époque, dans une société inculte, empreinte de traditions et d'innovations, elle s'était grandement préservée de ces mauvaises traditions. Et elle était mariée dans une famille du Sindh. Elle avait une vie sociale très accomplie et elle établissait des liens avec tout le monde de tout cœur. Elle s'était acquittée de ce devoir envers ses proches et notamment à sa belle famille de manière remarquable. Sa fille ajoute que les femmes de la communauté qui l'ont connue pensent souvent à elle. Dès que nous rencontrions problème et que nous lui en faisions part, elle nous conseillait de faire la prière et de faire des supplications. Elle prie beaucoup elle-même pour nous. Elle avait de très bonnes relations avec tout le monde et elle était très sociable. Là où elle se trouvait, elle étendait son cercle de connaissances. Là, fasse naître ses sentiments de sincérité et de fidélité dans ses enfants, qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'il permette à ses enfants d'être toujours attachés au califat et à la communauté. Qu'ils puissent faire autant de sacrifices qu'elle et qu'il exauce ses prières en leur faveur. Il laisse derrière lui deux fils et deux filles. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.